Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue sur notre nouveau webinaire. On va juste le laisser une petite minute parce qu'il y a pas mal d'inscrits ce matin. Donc on va se laisser une petite minute parce qu'il y a quelques retardataires. Pendant cette minute d'attente, je vous propose de découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme Livestorm, de découvrir un onglet à votre droite sur lequel vous allez pouvoir retrouver différentes choses. Un chat qui va vous permettre, bah voilà, comme l'a fait la première personne, Jean-Jacques. Bonjour à vous, Jean-Jacques, de pouvoir parler, échanger assez librement. Un deuxième onglet qui est réservé aux questions. Donc l'idée, c'est que si vous avez des questions pendant la présentation à poser, bah, posez-les dans cet onglet questions. Comme ça, on les retrouvera assez facilement et on pourra les traiter en fin de présentation une par une. Donc voilà, ça va être plutôt l'onglet dédié aux questions. Puis après, il y a un onglet sondage. D'ailleurs, je vous en soumettrai en attendant les retardataires. Voilà, pour comprendre un petit peu à qui on a affaire ce matin. Donc je publie un sondage que normalement vous devez voir et qui va vous permettre de répondre pour vous dire un petit peu où est-ce que vous en êtes, notamment dans l'IoT, l'Internet des objets. Est-ce que vous avez déjà commencé? Vous en avez juste entendu parler, mais vous n'avez jamais commencé? Vous avez déjà déployé des premiers démonstrateurs chez un ou deux clients? Vous avez peut-être déjà des déploiements en cours ou des déploiements à plus grande échelle? Voilà, c'est assez intéressant pour adapter aussi un petit peu le discours de la matinée. Donc on a plutôt des gens qui sont en déploiement en cours et des déploiements effectifs à plus grande échelle. C'est intéressant. Eh bien écoutez, on va commencer. Les retardataires prendront le train en marche. Il est 10h02. On va éviter de vous faire prendre du retard. Hop, je me mets sur le diaporama. C'est parti. Donc bonjour aux nouveaux qui viennent juste d'arriver. On vous souhaite la bienvenue du coup avec Romain sur ce nouveau webinaire qu'on a décidé de dédier ce matin à la solution WattSense. Donc une nouvelle solution de connectivité. Et donc ce webinaire est organisé par RG2I et l'agence Auricom et sera co-animé en la présence de Romain par la société par WattSense. Donc moi je suis Olivier Bénas, donc du coup responsable commercial et IoT de l'agence RG2I à Saint-Étienne. Et donc moi, je suis Romain Philippon, le responsable commercial de WattSense, et je vais aujourd'hui vous présenter nos solutions pour communiquer avec tout type de bâtiment, qu'il soit résidentiel, tertiaire ou industriel. Du coup, une rapide présentation pour ceux qui ne connaissent pas RG2I Auricom. Donc, on est un distributeur qui est spécialisé dans la communication industrielle depuis plus de 20 ans, 1999 pour être exact. Et notamment, on s'est spécialisé dans cette communication industrielle sur trois briques produits et services, qui est l'acquisition de données, donc fournir des solutions d'acquisition de données Schiller, bus de terrain principalement, ou radio, donc notamment aujourd'hui beaucoup avec des capteurs IoT et notamment LoRaWAN. La deuxième brique de service, c'est des produits qui sont orientés transport de données et transport d'informations. Donc, c'est tout ce qui est lié à de la transmission en local ou à distance de la donnée. Et la troisième et dernière brique, c'est l'analyse de données. Donc, soit en mode on-premise, en mode local, s'il y a besoin de faire du traitement de données en local, soit à distance, au travers d'un hyperviseur et d'une plateforme IoT qui permet de traiter, d'exploiter, d'analyser les données qui proviennent du terrain. Donc du coup, comme je disais, spécialisé dans un métier de distribution, de la distribution qu'on appelle accompagnée, c'est-à-dire qu'on apporte quand même un petit peu de service le plus qu'on peut au-delà de la vente. Donc en amont de la vente des produits, c'est de la recherche de solutions, de nouveaux partenaires et de nouveaux fournisseurs pour des nouveaux cas d'usage que vous nous demandez. Après, ça peut être du conseil et de l'expertise pour vous offrir du coup cette expertise-là, du retour d'expérience sur comment designer et créer des architectures et des principes de mécano, plus ou moins à cinq pattes en fonction de la complexité de votre demande. Et derrière, en après-vente, du coup, c'est de la formation sur certains produits qui le nécessitent, de l'assistance technique et téléphonique, si besoin, pour la première découverte de nos solutions. Ça se représente de cette manière-là. Donc, du coup, on essaie d'offrir de plus en plus aujourd'hui, depuis quelques années, une offre qui est complète et qui est interopérable. Donc, le principe de Mécano, c'est trois briques de produits que je vous ai décrites. Donc, vous les retrouvez ici avec des partenaires fabricants. Du coup, donc la première brique, c'est l'acquisition de données. Alors, principalement sur les logos de fabricants que vous voyez ici, c'est des fabricants IoT, c'est des fabricants de capteurs LoRaWAN. Donc, on est sur une offre interopérable qui va nous permettre, sur la base de gateway en mode middleware sur la slide, notamment avec en tête de gondole WattSense, qui est notre solution privilégiée pour les passerelles LoRaWAN et les passerelles solution GTB. Après, on est plutôt sur des notions de produits plutôt M2M, machine to machine.
Et l'idée de cette offre complète, c'est d'offrir des solutions de reporting, d'analyse de données, d'exploitation de données, d'hypervision et de monitoring pour boucler, je dirais, la boucle et offrir une solution complètement, la plus complète possible, pardon, et la plus interopérable. C'est-à-dire qu'on peut faire un petit peu son marché. Si vous avez déjà des solutions de monitoring, vous pouvez prendre chez nous des solutions de capteurs et de gateway. Si vous avez déjà des gateways, on peut venir chercher chez nous des capteurs et le monitoring, et ainsi de suite. Tout est interopérable, tout est interchangeable, pas de solution propriétaire. Et on est présent, pour finir cette présentation, on est présent sur ces 5 marchés principalement, depuis le début et de plus en plus avec l'avènement de l'IoT. Je passe la main à Romain. Merci Olivier. Donc WhatSense est une société française fondée en 2017 par Louis Vermorel et nous sommes basés à Lyon. Nous avons une équipe d'une vingtaine de personnes composée principalement d'ingénieurs développement et systèmes embarqués. Nous avons aujourd'hui plus de 110 clients et nos solutions sont utilisées dans 26 pays, en Europe, mais aussi aux États-Unis, Canada, jusqu'à Singapour et en Australie. Notre mission est de rendre les bâtiments plus connectés et nous nous adressons aux intégrateurs, aux PropTech et aux propriétaires immobiliers par l'intermédiaire des distributeurs, donc tels que RG2I. C'est bon, tu peux passer. Merci. Donc, tout le monde ici connaît les contraintes liées au décret tertiaire et au décret BACS. Donc, ces directives françaises et européennes ont pour but de réduire la consommation énergétique du secteur tertiaire avec diverses échéances, 40%, 50%, 60% jusqu'à 2050 pour le décret tertiaire et une échéance beaucoup plus courte pour le décret BACS parce que les solutions doivent être mises en place au 1er janvier 2025. Les bâtiments de taille intermédiaire qui constituent l'essentiel du parc tertiaire vont donc être au cœur de toutes les attentions. Et tous les acteurs du bâtiment vont devoir se préparer et anticiper les changements à venir. WhatSense propose ainsi une alternative aux GTB traditionnels qui répondent difficilement aux besoins de connectivité des bâtiments de taille intermédiaire. Et ce pour trois raisons principales. Le coût prohibitif à l'achat et aux mises à jour de ces GTB traditionnels, à la complexité des outils déployés et au manque de temps des intégrateurs pour connecter des centaines de milliers de bâtiments d'ici à 2025. Donc, nous proposons un outil qui permet donc de simplifier toute cette intégration et nous pensons que nous pouvons ainsi démocratiser la gestion technique des bâtiments, notamment donc pour les bâtiments de taille intermédiaire. Donc, concrètement, nous proposons une solution innovante qui est basée sur une passerelle et une plateforme intuitive. C'est ce qu'on voit au milieu de la slide. On y reviendra en détail un petit peu plus tard. Et donc, cette passerelle qui est multi-protocole, elle va permettre de connecter et de piloter les équipements à distance. Prenons par exemple le bâtiment qui est sur le côté gauche de la slide. On va pouvoir connecter les compteurs énergie, eau et gaz. On va pouvoir connecter les pompes à chaleur, les systèmes de ventilation, les chaufferies, les régulateurs et également les capteurs sans fil. Donc, les différents équipements d'un bâtiment, quelle que soit donc leur marque et leur protocole, vont ainsi pouvoir être connectés à la passerelle WhatSense en filaire ou en radio. Ces solutions étant bidirectionnelles, on va pouvoir piloter à distance, on va pouvoir envoyer des commandes aux équipements via donc cette passerelle. Prenons par exemple l'exemple d'une chaufferie. On va pouvoir modifier les consignes horaires selon le taux d'occupation ou on va pouvoir remonter certaines informations, des consignes sur le régulateur ou sur les différentes modalités sur les courbes de chauffe. Sur les compteurs, on va ainsi pouvoir remonter les données en énergie, en eau et en gaz d'un bâtiment. Dans le cas où l'exploitant nécessite un suivi plus poussé de son bâtiment, que ce soit en optimisation de l'efficacité énergétique ou en maintenance préventive, il est possible d'intégrer des données à une plateforme tierce. L'intégration d'une plateforme tierce se fait grâce au protocole MQTT ou avec une API REST qui permet donc d'intégrer toutes les données vers cette plateforme et pouvoir envoyer donc, des commandes à distance via la passerelle. Des exemples de bâtiments qu'on connecte aujourd'hui, c'est par exemple des écoles, des hôtels,
des crèches, des surfaces commerciales, des bâtiments publics, des résidences, des copropriétés. Il y a différents tout types de bâtiments. On est totalement interopérable et on peut s'intégrer dans tout type donc de bâtiments. En quoi alors notre solution est-elle si innovante? Bon, ben, tout d'abord, le déploiement est de type plug and play. C'est-à-dire que l'installation de la passerelle se fait par un électricien. Et la connexion des équipements est très simple grâce à notre bibliothèque d'équipements qui sont déjà intégrés. Donc, on a aujourd'hui plus de 600 équipements qu'on a déjà décodés. Donc, prenons par exemple des équipements qui communiquent en protocole Modbus, cette série. Dans ce cas, les tables d'échange sont déjà intégrées et on n'a plus qu'à choisir, entre guillemets, les propriétés que l'on veut remonter. Cela va de même pour les capteurs en LoRaWAN, où le décodage donc des codecs et des payloads a déjà été effectué. Donc, le travail d'intégration est grandement simplifié, car l'appairage des équipements ne nécessite pas de programmation, ce qu'on appelle du no-code. Les outils utilisés sont extrêmement simples et intuitifs. Le système est basé sur un software qui mise à jour très régulièrement et de façon gratuite et automatique. Le système est totalement ouvert et agnostique. C'est-à-dire, comme je viens de dire, on peut s'intégrer dans une plateforme tierce si besoin, ou on peut utiliser notre plateforme pour faire du monitoring ou pour faire de l'envoi de commandes. Et on peut donc facilement ajouter un équipement. On peut choisir les propriétés qu'on veut rajouter. On peut en enlever si on s'en rend compte qu'on en a trop. Et donc, tout ça peut être intégré, quelle que soit la marque de l'équipement et quel que soit le modèle. Le fait d'être totalement interopérable, c'est important parce qu'on va pouvoir donc arriver sur un bâtiment et on ne va pas se restreindre à certains équipements ou certaines marques. On va arriver, ben on va pouvoir tout connecter en simultané, uniquement en général avec une passerelle qui est suffisante pour connecter un bâtiment entier. Ces solutions sont conformes aux attentes des décrets BACS et des décrets tertiaires. Il est également possible de valoriser certains C2E, tels que par exemple l'optimiseur de relance. Dans ce cas, on propose en option un algorithme qui est en embarqué dans la passerelle. Et cet algorithme va connecter la chaufferie et proposer des cours de chauffe les plus économiques en fonction des différents paramètres détectés, tels que par exemple la température extérieure, la température de départ de chauffe, ainsi que l'inertie globale du bâtiment. Ainsi, ce n'est pas la peine d'envoyer un technicien sur site, on va pouvoir modifier les consignes horaires à distance. Et cet optimiseur de relance est valorisé au sens de la norme BAT 109 et 123, et donc c'était validé en tant que C2E optimiseur de relance. Enfin, il faut noter que toutes ces données sont évidemment sécurisées. Le chiffrage est effectué de bout en bout avec une clé authentification. Donc les mises à jour sont faites relativement régulièrement, à peu près tous les 15 jours, 3 semaines, de façon automatique. La box n'est pas déconnectée, elle reste connectée, c'est juste le software qui met à jour. En général, on ne s'en rend même pas compte. Et donc voilà. Un exemple aujourd'hui de ce qu'on utilise, on voit là qu'il y a une box qui est installée au milieu de l'armoire électrique, elle est connectée et on peut remonter ainsi les données d'une chaufferie. Donc, ça, Olivier va présenter un peu plus tard, c'est une nouveauté avec les synoptiques qu'on peut intégrer directement à notre plateforme. Donc, on va mettre un schéma en PDF ou en JPEG, on va le télécharger dans la plateforme et après, c'est à vous de juste positionner les paramètres dont vous avez besoin pour avoir un monitoring extrêmement simple sur votre console. Quelques exemples de sociétés avec qui on travaille ou qu'on s'intègre. Donc, on a la chance en France d'avoir de bonnes startups, que ce soit pour des PropTech ou des facilities management. Donc, on travaille avec beaucoup de PropTech en France, que ce soit Adiseo, Citron, Equinov, DeepKey, Coquelicot, LibreFluid. On a des bonnes entreprises. Et également, évidemment, à l'étranger, avec Facilio, Again. Permettre de proposer des solutions de connectivité simples et après ce sont ces PropTech qui vont elles proposer des solutions qui sont spécifiques aux besoins du client. On travaille aussi pour des facility management qui ont besoin de monitorer certaines données de leur équipement. Donc là c'est des grosses entreprises comme Spi, comme Vinci, comme IDEX ou également des boîtes plus petites qui vont exploiter certaines chaufferies ou qui ont besoin de remonter des données des régulateurs.
Property manager, on travaille avec des grosses propriétés, property manager, des gros acteurs qui ont besoin également, plutôt pour du monitoring cette fois, de voir un peu comment se comporte le bâtiment et de voir comment ils pourraient proposer des solutions pour améliorer la gestion et améliorer évidemment la consommation énergétique. Voilà, en deux mots, WhatSense, ce qu'on propose. Je vais redonner la main à Olivier qui va présenter certaines fonctionnalités. Oui, merci Romain pour la présentation de l'entreprise et de la solution. Je prends le relais pour terminer un peu la présentation sur la solution WhatSense, la passerelle WhatSense, et puis derrière on va avancer également sur la découverte des nouveautés qui sont arrivées il y a moins de 6 mois dans cette passerelle WhatSense. Donc la promesse et le challenge de la solution WhatSense, comme l'a bien dit et expliqué Romain, c'est d'offrir une nouvelle solution de connectivité. Cette solution de connectivité qui était une problématique, une complexité, de par l'hétérogénéité des protocoles et des bus, qu'elle devienne un jeu d'enfant. Donc la première solution, ce qui fait que ça devient un jeu d'enfant, c'est que déjà, c'est exit les multi-références fabricants de régulateurs avec leur propre passerelle qu'ils embarquent parce que le protocole est plus forcément supporté par d'autres fabricants, ou même des passerelles qui existent aujourd'hui sur le marché, sur étagère, qu'on vend d'ailleurs chez RG2i, mais qu'il faut multiplier à droite à gauche pour gérer X protocoles différents. Voilà, il y a une hétérogénéité dans les bâtiments de par le vécu et l'existant et le cursus du bâtiment, et l'idée est de se dire cette hétérogénéité, on va pouvoir la centraliser sur la passerelle WhatSense grâce à cette fonction multi-protocole. Et on va pouvoir, du coup, ce multi-protocole-là, on va pouvoir déjà dialoguer en acquisition de données en simultané sur tous les protocoles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de l'acquisition en mode bus RS485 sur des compteurs électriques, des compteurs d'énergie type Socomec, Schneider. On va pouvoir faire de l'acquisition sur des régulateurs RVL, CMN, sur le protocole propriétaire des régulateurs qu'on appelle RVL. On va pouvoir faire de l'acquisition sur des compteurs thermiques calorifiques en protocole MBUS, en KNX sur des nouveaux régulateurs Simco ou autres, en LANWARC sur des vieilles installations, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est que hétérogénéité des protocoles, on vient tout centraliser sur la passerelle WhatSense, puisqu'elle dispose de tout ça en simultané, elle fait l'acquisition simultanée, et derrière, elle va permettre de manière complètement homogène et centralisée de ressortir un seul tuyau, un seul protocole, et un seul flux de données en local vers une GTB ou à distance vers une solution de supervision hypervision, quoi. Donc ça, c'est déjà le premier intérêt, je pense, de cette solution WhatSense, c'est le côté multi-protocole. Il n'y a plus besoin d'intégrer plusieurs passerelles, il n'y en a qu'une seule qui fait tout. La deuxième solution, et c'est la vraie valeur ajoutée, c'est le côté disruptif, je pense, par rapport à l'existence sur le marché aujourd'hui, de ce type de passerelle-là, c'est une compatibilité qui est, d'une part, croissante et qui est surtout déjà assez impressionnante. Donc vous avez un outil, si vous allez sur le site de WhatSense, un outil qui s'appelle un testeur de compatibilité et qui va vous permettre de vérifier avec quel type d'équipement et sous quel protocole la passerelle WhatSense est compatible. Donc à l'échelle du bâtiment ou de l'industrie, vous allez retrouver en filaire, vous avez un éventail non exhaustif des marques et des solutions et des références produits de ces marques-là qui sont déjà compatibles avec la passerelle WhatSense. Quand on parle de compatibilité avec la passerelle WhatSense, on entend que les tables d'échange des produits ont été intégrées nativement en ressources dans la librairie, dans la bibliothèque de la passerelle. C'est-à-dire que quand vous déployez la passerelle, vous avez déjà la table d'échange Modbus de différents compteurs d'Iris, Contis, Socomec. Vous avez déjà les tables d'échange Modbus de différents équipements de compteurs Schneider, des groupes froids, des pompes à chaleur, des climatisations, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est que plus besoin d'aller chercher à droite, à gauche, plus besoin d'appeler le client pour qu'il aille contacter son ancien intégrateur, son ancien prestataire pour qu'il y mette à disposition une vieille table d'échange. Toutes les tables d'échange de ces équipements-là sont disponibles en ressources. Donc, on va le voir quand je vais vous montrer et que je vais vous faire une petite démo. Du coup, c'est assez simple et c'est ce côté forcément intéressant et plug and play de la solution. Donc, ça, c'est pour les protocoles et les équipements filaires lorsqu'on a besoin de faire de l'acquisition sur des protocoles filaires qu'on a vu juste avant. Et ça, c'est la même chose sur le protocole LoRaWAN. Donc, l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'innovations et d'acteurs sur les capteurs LoRaWAN, les capteurs IoT de protocole LoRaWAN. Et donc, l'intérêt, c'est que cette compatibilité, elle est également déjà assez impressionnante parce que tous ces fabricants ont déjà leur référence produit et leur catalogue produit qui est déjà compatible et déjà décodé. Donc pour ceux qui connaissent le LoRaWAN, un capteur LoRaWAN envoie une donnée cryptée qui est encodée, ce qu'on appelle une payload, qui est encodée en hexadécimal et qu'il faut décoder. Chaque fabricant a décidé d'encoder, sinon ce ne serait pas drôle, sa trame de la manière dont il le souhaite, en mettant les digits à l'endroit où il le veut dans sa trame. Et donc l'idée et la force et la proposition de WhatSense,
C'est de prendre toutes les bibliothèques de tous les décodeurs, de tous les fabricants, de tous leurs capteurs et de les décoder pour faire en sorte que vous n'ayez pas besoin de vous en soucier. C'est quelque chose d'assez fastidieux, c'est quelque chose, quand on le fait, qui est plutôt orienté développeur et informaticien. Donc l'idée, c'est que c'est assez fastidieux. Le but, c'est de vous focaliser grâce à la solution Watsense sur le déploiement et l'intégration de votre bâtiment et de votre solution Watsense. Et donc l'idée, bah, c'est de exit cette, ouais, exit de mettre les mains dans le cambouis sur cette partie-là. Qu'est-ce qui se passe si vous trouvez un produit ou si vous amenez un produit, si vous rencontrez un produit sur le terrain qui n'est pas compatible ou si on a un fabricant qui sort une innovation qui est à l'instant T qui n'est pas compatible? On en fait la demande tout simplement à RG2I et à Watsense et du coup, bah, Watsense le fait en 2 à 4 semaines en fonction des protocoles et de la complexité des décodeurs LoRaWAN et va permettre de mettre ça en librairie publique. Donc demain, après-demain, en 3 mois, 6 mois, lorsque vous allez acheter une passerelle, vous aurez le décodeur qui sera en natif dans les librairies. Vous n'aurez pas besoin de vous en soucier de le décoder vous-même de votre côté. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté également connectivité jeu d'enfant. L'autre chose qui est intéressante, c'est une fonctionnalité de passerelle plug and play. Quand on parle de passerelle, quand on parle de multiprotocole, quand on parle de communication avec des équipements locaux, principalement à l'échelle du bâtiment ou de l'industrie, avec soit un automate de process, soit un régulateur ou un automate ou une GTLC, GTB, on a ce besoin d'échanger des données. On a besoin de mettre à disposition les données dans un protocole A vers un protocole B. Donc, ce qui est intéressant, et on le verra sur ma démo qui va suivre, c'est une fonction de passerelle, donc de conversion de protocole, protocole A vers protocole B, qui est complètement plug and play. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire de l'acquisition dans un protocole A ou B, et vous allez pouvoir le convertir très simplement et très rapidement dans un protocole C. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le protocole BACnet IP qui est embarqué, qui est intégré, qui est compatible, et vous allez le voir dans les nouveautés juste après, il y en a un nouveau qui est arrivé récemment. Donc l'intérêt de cette fonctionnalité-là, c'est que pareil, exit du coup le code et la programmation, parce que bah, du coup tout est en natif, tout est en ressources libres et publiques. Donc l'intérêt, comme vous le comprenez, c'est de traiter les données localement, donc pour faire un peu le mot de passe plat et la conversion de protocole d'acquisition protocole A vers protocole B. L'autre intérêt de cette passerelle plug and play, c'est l'interopérabilité, comme on l'a vu avec la compatibilité des fabricants qui sont disponibles en ressources. Assez simple d'utilisation, vous allez le voir juste après. Le but final de cette solution Watsense, c'est de vous faire gagner du temps. C'est vraiment ça qu'il faut retenir sur la solution Watsense. Tout a été fait dans le no-code, dans l'approche plug and play, pour faire en sorte que vous achetez une passerelle Watsense et vous déployez beaucoup plus rapidement. Donc vous êtes en capacité, avec les mêmes ressources en interne, de gérer et de couvrir plus de projets. Grosso modo, c'est un peu la promesse et le challenge qu'on vous propose. Et juste pour revenir là-dessus, pardon Olivier, sur ça, sur cette fonctionnalité, donc LoRaWAN to BACnet, l'idée c'est de dire si vous avez un bâtiment avec une GTB existante qui n'est par exemple pas compatible avec des équipements LoRaWAN. On voit aujourd'hui qu'on a beaucoup de demandes pour connecter des capteurs, que ce soit en qualité de l'air, en température, en humidité, en CO2 évidemment. L'idée c'est que ben, on n'a pas à dire au client mais il faut racheter une GTB parce que c'est extrêmement cher. Et que c'est peut-être pas le meilleur investissement. Donc, du coup, ce qu'on propose, c'est qu'avec cette passerelle, on va pouvoir appairer donc, les capteurs en LoRaWAN. On va convertir les trames LoRa vers du BACnet et on va ainsi pouvoir permettre à la GTB existante de lire les données déjà décodées de ces capteurs. Donc, on rajoute en fait une couche technologique sur la GTB existante sans rien à changer. Merci pour la précision. Du coup, on va switcher sur la partie nouveauté. On a bien présenté, je dirais, le produit, la philosophie, je dirais Watsense. Maintenant, c'est de présenter également des nouvelles fonctionnalités, parce qu'il y a des gens qui sont déjà clients Watsense ce matin. Il y a des gens qui ont déjà assisté à la première présentation il y a quelques mois du lancement de cette solution et de cette passerelle Watsense. Donc, l'idée est de montrer un petit peu des nouveautés. Donc, dans les nouveautés, il y a l'intégration d'un nouveau protocole radio. Qui est un peu l'ancêtre des protocoles radio de télérelève et des protocoles IoT, et qui est le Wireless MBUS. Le Wireless MBUS, dans sa bande de fréquence 868 MHz, comme je l'ai dit juste avant, est un peu l'ancêtre des protocoles de télérelève de compteurs, donc qui a été bien implémenté et bien intégré également et développé chez certains fabricants comme Dalena, comme Itron, comme Elster et compagnie. Et donc l'idée, c'est que la solution Watsense, en plus du LoRaWAN, alors par contre, petite parenthèse, c'est soit du LoRaWAN, soit du Wireless Ambus, mais l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir également aller chercher des compteurs d'énergie directement et nativement communiquant sur le protocole radio Wireless Ambus. Donc, bande de fréquence 868 MHz,
On est sur des modes de communication, sur la norme OMS en RLSM bus, où on va parler de mode S, C, T, T1, T2 et ainsi de suite. Donc on va pouvoir gérer globalement le mode C et le mode T. On est sur un mode exclusivement uplink, c'est-à-dire que les compteurs vont remonter des informations sur la passerelle RLSM bus WattSense, et derrière qu'elle va pouvoir mettre à disposition, soit en local, on l'a dit, à la GTB, en BACnet IP, soit sinon à distance. L'intérêt de ce nouveau protocole, c'est que vu que c'est l'ancêtre des protocoles IoT et notamment des protocoles de télérelève de compteurs, l'intérêt, c'est qu'il y a un parc il y a un parc existant qui est très 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 important aujourd'hui en France. Et l'intérêt, c'est de pouvoir récupérer ce parc-là et de le mettre à disposition d'une solution locale ou distance pour du monitoring ou de la GTB. Donc ça, c'est la première nouveauté qu'on voulait vous annoncer parce que c'est assez récent, l'intégration de ce nouveau protocole. La deuxième nouveauté qui est arrivée il y a quelques semaines, c'est la fonction de conversion et de passerelle Modbus TCP. Donc on l'a vu, on pouvait intégrer de manière plug and play la conversion LoRa, Modbus RTU, Mbus, KNX et ainsi de suite vers du BACnet IP ou du MQTT. Donc la nouveauté ce matin, voilà, qu'on voulait vous annoncer, c'est également cette fonctionnalité passerelle plug and play en Modbus TCP. Je vais vous le montrer également dans la démo qui va suivre. C'est quelque chose d'assez simple, d'assez intuitif et d'assez rapide et vraiment à la portée de tous. Donc l'idée, ça va être de venir converger encore une fois sur cette passerelle multiprotocole WattSense, du protocole filaire, du protocole sans fil et derrière de centraliser tout ça sur un Modbus TCP. Donc soit une GTC-GTB qui communique en Modbus TCP, soit pour l'industrie qui veut déployer de l'IoT principalement, de pouvoir renvoyer ça à un automate de process ou à une supervision, à un SCADA existant, quoi. Qui dans l'industrie va plutôt être sur un protocole Modbus TCP. Donc on le verra tout après, juste après pour la mise en œuvre. L'autre nouveauté du coup, c'est l'intégration des plans et synoptiques. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir importer, je dirais, un plan et synoptique de votre bâtiment, de votre étage et ainsi de suite. Donc c'est un import de plan 2D sur format PNG et JPEG. Que vous allez pouvoir très facilement, vous allez le voir dans la démo encore une fois juste après, très facilement implémenter sur la solution WattSense et derrière qui va vous permettre de positionner vos capteurs. Voilà, vous allez pouvoir positionner des valeurs sur le plan. Je vous le montrerai. Un exemple vaut mieux que 1000 mots. L'autre nouveauté, c'est de pouvoir exporter, faire des extractions de fichiers. Vu que la passerelle WattSense, je dirais via sa solution également d'hébergement de données, et là justement pour ce qui est de la donnée, l'intérêt c'est qu'on a cette capacité de faire des exports, des extractions personnalisées de données, puisqu'on a besoin d'envoyer ça à qui de droit, à un autre partenaire, à un autre collègue en interne ou à une autre solution sur un autre format, que ce soit de l'Excel, du JSON, du TXT ou ce qu'on veut. Donc l'idée c'est qu'on va pouvoir faire cet export personnalisé, on va pouvoir d'une choisir la période qu'on souhaite extraire. On va également pouvoir choisir le format. On va pouvoir choisir également faire un choix de groupe en fonction notamment si on veut représenter dans notre fichier d'extraction des données par jour ou par mois. Et on va pouvoir également faire des choix de valeur et de propriété. Voilà, pour éviter de tout extraire et d'extraire uniquement ce qu'on a besoin. Ça, et du coup, la dernière nouveauté, c'est pas des moindres, c'est la fonction optimiseur de relance. Donc, la fonction d'optimiseur de relance, si vous voulez, comme l'a déjà un petit peu expliqué Romain en amont, c'est cette capacité dans le bâtiment de pouvoir interagir et de forcer une consigne de chauffage et de pouvoir prendre la main et d'envoyer une consigne de chauffage de manière intelligente sur un régulateur existant. Donc, de manière conventionnelle et historique, je dirais souvent un circuit, un régulateur de chauffage a tendance à dire, le matin à telle heure, je chauffe, le soir à telle heure je chauffe, sans forcément prendre en compte d'éléments comme l'inertie du bâtiment, l'orientation nord-sud, le confort, la température qui fait à l'intérieur, et également des sondes de température extérieure. Donc l'idée c'est qu'on a une masse d'informations qui est disponible et de manière conventionnelle on ne s'en sert pas forcément. L'intérêt de cette solution optimiseur de relance, de cette fonction optimiseur de relance intégrée dans la passerelle WattSense, c'est de pouvoir adapter de manière intelligente avec ces éléments extérieurs que je viens de vous citer, de pouvoir faire varier, de pouvoir relancer, si vous voulez, le circuit de chauffage de manière complètement intelligente et en prenant parti, comme je l'ai dit, différentes sondes de confort ou d'extérieur, quoi.
Cette solution et cette option optimiseur de relance, elle est disponible principalement parce qu'elle est éligible C2E, c'est important. On a une attestation d'ailleurs pour ça, si besoin, pour ceux qui le souhaitent et ceux qui le veulent. Cette solution est éligible pour les bâtiments collectifs résidentiels et pour les bâtiments collectifs tertiaires. Donc c'est une solution qui est optionnelle. Donc c'est un programme en fait, il y a un algorithme qu'on vient charger sur vos passerelles et qui va vous permettre du coup d'être éligible C2E et donc du coup de bénéficier d'un financement de votre investissement. C'est Et ça. donc, Donc, de prendre en charge le coût de la passerelle de cette option-là, quoi. en fait, donc cet algorithme qui est donc en embarqué dans la passerelle, donc il n'est pas sur le cloud, mais il est en embarqué, il va concrètement connecter la chaufferie et le régulateur. Donc, si c'est un régulateur interne, on va se connecter directement. Si c'est un régulateur externe type RVL, on va se connecter dessus en LPB et on va pouvoir ainsi donc modifier la consigne à distance avec donc les différents paramètres. Les températures de sonde et donc les températures de départ d'eau chaude également, et donc l'inertie du bâtiment, parce qu'évidemment, un bâtiment qui est tout neuf, il y aura une inertie qui sera bien moindre qu'un bâtiment qui est vraiment ancien. Donc, on va adapter ça pour permettre d'optimiser au maximum la consommation énergétique. C'est un peu l'idée, c'est vraiment d'optimiser et de ne pas avoir à chauffer un bâtiment des heures alors que ça ne sert pas à grand-chose. Merci pour cette précision. Donc c'est fini pour les nouveautés qui sont arrivées il y a quelques semaines et quelques mois pour certaines d'entre elles. Un petit teasing sur une prochaine fonctionnalité qui va être intégrée et embarquée dans la passerelle Watsense, c'est une fonction d'alarme. Donc c'est cette capacité, vu qu'on fait de l'acquisition de données, vu qu'on fait de l'historisation, c'est cette capacité d'envoyer des alarmes automatiques, donc des alarmes événementielles sur format SMS ou email. Donc voilà, l'intérêt, ça va être aussi d'être un petit peu plus proactif dans l'envoi des alarmes et dans le traitement des alarmes pour ceux qui le veulent, donc des techniciens, des facility managers ou autres, quoi. Donc c'est tout pour les nouveautés. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de passer à la démo. Donc, je vais vous partager mon écran. Hop. Sur la démo. Donc la démo, je vais la faire directement sur une box, sur la console de Watsense. Donc la console de Watsense, c'est une console qui est disponible depuis n'importe quel navigateur avec une connexion Internet et qui va permettre du coup de pouvoir accéder à son parc d'équipements et de pouvoir également accéder à une gateway en particulier si on a besoin d'interagir avec une gateway, soit pour la configurer la première fois, soit ultérieurement. Donc l'intérêt de cette console-là, d'une part, c'est qu'on va pouvoir géolocaliser ses équipements un peu partout en France. Et comme je le disais, on va pouvoir rentrer dans chacune d'entre elles. Rentrer dans chacune d'entre elles, soit pour vérifier ce qui se passe, visualiser des données live, des graphiques, des historiques, soit sinon, comme je vais le faire là ce matin, de pouvoir rentrer dans la passerelle pour pouvoir la reconfigurer. Petit aparté, la solution dispose également d'un petit chat de discussion s'il y a besoin d'aide, de documentation, d'un portail de support technique et de ressources techniques qui vous permettent de vous accompagner si à un moment donné vous êtes un petit peu perdu et que vous avez besoin d'accompagnement. Sinon, n'hésitez pas à nous appeler chez RG2I. On vous supportera techniquement également sur la solution. Et pour information, la plateforme est également disponible en deux langues, en anglais ou en français. Donc là, je suis connecté à une box à distance, mais pas très loin de chez moi, qui est celle de mon bureau. Donc c'est celle-ci pour rien vous cacher. Donc j'ai aucun lien, je dirais physique, hormis la connexion 4G à distance, la connexion 4G, et qui va me permettre plusieurs choses. Donc qui va me permettre déjà, comme je le disais, de visualiser la configuration en cours. Donc c'est-à-dire que j'ai cette capacité grâce à cette console Watsense de venir a posteriori modifier des consignes, modifier des acquisitions de données, des lectures d'équipements, d'automates, de régulateurs et autres. C'est-à-dire, par exemple, si je prends un compteur électrique Socomec, par exemple. Donc, quand je l'avais configuré il y a 6 mois, j'avais dit que je voulais que la passerelle lise six valeurs dans ce compteur électrique. Voilà, je veux 6 mois plus tard qu'elle aille lire d'autres informations. Donc, j'ai cette capacité d'aller chercher mes puissances apparentes sur ma phase 1, 2, 3. Et puis quoi d'autre? Et puis c'est tout, on va dire. Allez, hop. On enregistre les modifications sur la console. On demande à la console d'envoyer la nouvelle configuration à la box sur le terrain à distance. Et ça y est, j'ai ma box qui se met à jour et qui n'a pas besoin d'une intervention physique et humaine sur site pour être mise à jour.
Donc j'étais auparavant sur 6 paramètres de lecture et maintenant j'en ai rajouté 4 et je suis à 10 paramètres. Donc ma gateway Watsense est capable maintenant de lire 10 paramètres au total dans un compteur électrique Socomec d'Iris. Donc cette capacité de faire complètement évoluer l'application en fonction de la demande du client. J'ai également ici un capteur LoRaWAN, donc qui est une sonde d'ambiance avec afficheur de fabrication Milesight, donc produit qu'on distribue également chez RG2i. Donc c'est un capteur LoRaWAN qui est sur mon bureau, qui me permet de monitorer température, humidité, luminosité, présence, CO2, COV, pression barométrique. Et c'est pareil, si j'ai envie, ben, je peux a posteriori ajouter ou supprimer certains paramètres. Ce que je vais faire là avec vous, c'est que je vais en ajouter un nouveau, hein, du coup de capteur, pour vous montrer à quel point c'est plug and play, pour vous montrer à quel point que c'est accessible sans être un informaticien ni un développeur pour faire ça. C'est vraiment à la portée de tous. Donc quand on veut ajouter un équipement, filaire ou sans fil, on fait simplement ajouter équipement. On passe par le mode wizard de configuration et là on va venir faire suivant. Quand on fait suivant, on nous demande une chose principalement, c'est quel équipement, quelle marque et quel modèle d'équipement on veut configurer. Donc, ce que je vais faire pour la démo, c'est que je vais reconfigurer et je vais appairer un nouveau capteur LoRaWAN, cette fois-ci de marque Adonis. C'est un capteur, encore une fois, de confort, simplement de température, humidité cette fois-ci. Donc, ce qu'on vous disait en termes de compatibilité, c'est que vous pouvez ici, on a plus de 600 équipements et références fabricants qui sont listés et référencés en ressources. Des groupes froids, des pompes à chaleur, des compteurs électriques, des capteurs LoRaWAN et ainsi de suite. Donc, on va chercher son fabricant endless, wireless. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'on va configurer un capteur Adonis. On a dit qu'on voulait un capteur Adonis confort, que le protocole était du LoRaWAN. Et là, du coup, on va aller chercher des clés. Hop, je viens copier les clés de mon équipement. Donc, des clés qui vous sont envoyées lorsque on vous livre les produits. Donc, c'est des clés, c'est la carte d'identité un petit peu de l'équipement. Une fois que vous avez rempli et renseigné cette partie carte d'identité, vous faites suivant. Et ça y est, vous avez le produit LoRaWAN qui est décodé. Pas une ligne de code, pas d'hexadécimal à transformer en décimal et ainsi de suite. Vous avez la passerelle Watson qui vient de vous mettre à disposition votre capteur LoRaWAN Adonis Confort en quelque chose d'exploitable et qui va vous permettre derrière de simplement faire votre choix, votre filtre, donc du cocher-décocher pour dire moi demain je veux monitorer la température et l'humidité dans telle pièce. Je vais également monitorer le niveau de la batterie. Donc, en fait, concrètement, on ne va pas créer de nouvelles propriétés. On va juste lister toutes les propriétés qui sont mises à disposition par le fabricant et c'est à vous de choisir ce qui vous intéresse. Si vous voulez toutes les prendre, vous pouvez tout prendre. Si vous pensez que certaines propriétés ne sont pas nécessaires, vous choisissez uniquement celle qui vous convient. Donc là, je fais vérifier. On voit que tous les autres équipements sont verts, c'est-à-dire qu'ils communiquent déjà avec la passerelle Watsense. Ici, il y a un plus, c'est-à-dire qu'on vient juste de l'ajouter. J'enregistre les modifications. Je mets un petit chat pour l'intervention du technicien suivant si besoin, s'il a besoin de savoir ce qu'on a fait. Je fais envoyer à la box et ça y est, j'ai configuré mon capteur, je dirais, Adonis. Je peux l'envoyer par la poste Colissimo ce qu'on veut chez le client. Le client va juste aller le mettre dans la pièce au rez-de-chaussée ou dans le restaurant ou dans la salle de restauration de l'entreprise. Ça y est, il est passé en vert et je suis capable de lire les trois données, les trois propriétés que j'ai demandé de lire à la passerelle Watsense. Donc, solution quand même assez simple à mettre en œuvre. C'est exactement la même chose pour les équipements filaires. Voilà, rien de très compliqué pour faire ça, pour ajouter et faire évoluer son application a posteriori, vu que l'application est disponible à distance. Petite parenthèse d'ailleurs qu'on n'a pas précisé, pas des moindres, la passerelle Watsense peut embarquer un modem 4G et une carte SIM multi-opérateur. Tout ça est rendu possible à distance parce qu'à l'intérieur, il y a une carte SIM multi-opérateur avec la data qui est fournie. Donc, il y a un service et un abonnement qu'on peut vous fournir pour ça. L'intérêt de ça, c'est quand vous déployez, exit ceux qui ont connu ça, de se soucier si dans la chaufferie, je capte du SFR, du Orange, du Bouygues, si sur un autre site, à Besançon, à Dijon ou à Toulouse, c'est un opérateur. Là, l'intérêt, c'est que ce service-là peut embarquer une carte SIM multi-opérateur qui va, à mise sous tension, se connecter chez le meilleur des opérateurs. Et d'ailleurs, c'est un opérateur virtuel, donc c'est-à-dire qu'on peut, on fait du multi-opérateur en France, mais également à l'étranger, si vous déployez des solutions Watsense à l'étranger. Et donc là, Voilà. juste pour finir ça, donc sur les propriétés du capteur qui viennent d'être ajoutées, si au bout d'une heure, d'une semaine ou d'un an, vous vous rendez compte que certaines propriétés sont nécessaires, ben, ce n'est même pas la peine de nous appeler. Vous allez directement sur l'onglet propriétés comme vient de faire Olivier et vous cliquez sur d'autres propriétés. Voilà. Donc c'est Voilà. vraiment extrêmement simple. Vous n'avez pas à dire, ben, attendez, j'ai ça à rajouter. C'est vous qui gérez un peu vos propriétés de cette façon.
Voilà, donc là on a quatre propriétés. Le capteur n'a pas commencé à envoyer de données à la passerelle Watsense, donc c'est pour ça que les valeurs pour l'instant sont vides. On le verra tout à l'heure. Le capteur est paramétré sur du 10 minutes. Donc dans 10 minutes, un peu moins, il devrait y avoir des données qui remontent. Après, ce que je voulais vous montrer, c'est également la fonction de passerelle. Donc cette fonction conversion de protocole. Donc comme on le disait, on a la possibilité de convertir du coup tous les équipements filaires qui sont dans les équipements et également LoRaWAN dans cette liste-là sur différents protocoles. Ça a déjà été fait dans ma box sur du BACnet IP. Donc c'est pareil, on peut a posteriori venir convertir et venir mettre dans une table d'échange des objets BACnet supplémentaires, grosso modo. Donc ici on voit les instances d'objets BACnet qui sont mis ici à la queue leu-leu. Et si on veut, on peut rajouter une propriété. Donc on va venir ici rajouter une propriété qui est disponible et on va retrouver ici les propriétés qui sont déjà utilisées. Et tout en bas, on va retrouver les propriétés de notre capteur Adonis Confort qu'on vient d'ajouter. Donc on a la capacité d'ajouter cette propriété supplémentaire sur la conversion BACnet. On était à 16 et maintenant on est à 17. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une passerelle cette fois-ci Modbus. On choisit le protocole, donc c'est ici qu'on choisit le protocole où on veut publier les données pour un régulateur ou un automate. On utilise un port parce qu'on a deux ports IP, donc on pourrait potentiellement faire deux protocoles différents, mais on a deux ports IP, donc là on va choisir le port Ethernet gauche. Le port en Modbus, port 502, on va définir un ID de notre esclave passerelle Watsense, ça va être l'ID 1. On a des propriétés avancées, voilà, pas forcément besoin de les toucher. Et là, grosso modo, on vient de configurer la partie passerelle Watsense. Passerelle Modbus TCP. Pour l'instant, on n'a pas de propriété, donc qu'est-ce qu'on va faire? La même chose que j'ai fait juste en amont avec le BACnet. Il nous dit, vous n'avez pas encore de propriété. Cliquez ici pour en ajouter. On clique ici. Et grosso modo, on va ajouter des propriétés supplémentaires pour les mettre à disposition de la table d'échange Modbus TCP, pour que le régulateur ou l'automate en Modbus TCP puisse récupérer ces informations-là. On fait sauvegarder. On injecte ça dans la passerelle. On attend. Pas de pression. C'est validé. Et ça y est, notre table d'échange est terminée. La communication Modbus TCP est établie avec un automate ou un régulateur. On a ici nos adresses Modbus qui sont renseignées ici, qui s'ajoutent, qui viennent s'incrémenter à la queue leu-leu, qui viennent prendre la suite des autres. Donc si j'en rajoute des autres, ça va être 6, 8 et ainsi de suite. Et après, si besoin, on peut rentrer dans chacun des registres et des variables Modbus. Puis on a besoin de personnaliser des choses. Si on a besoin de modifier le code 3 ou le code 4 sur l'input register ou du holding register, pardon. Si on veut également modifier les formats de données sur du 16 bits, du 32 bits, signé, pas signé, flottant et ainsi de suite, et également les unités. Voilà, comme ça on va avoir derrière votre automate, votre régulateur, votre GTB qui va récupérer ce qu'elle doit récupérer dans le bon format. Ainsi que le nom, la description et le slug name. Comme ça, quand ça s'intègre dans votre registre Modbus, vous avez déjà le nom que vous choisissez. Voilà, par exemple. Hop. Voilà, Donc là, les données, vous voyez qu'elles ne sont plus en LoRaWAN, mais elles sont en local. elles sont Sur le moins. locales et elles sont converties ouais, en Modbus TCP. Donc voilà pour ça. Je vois qu'il est déjà 10h43, il va falloir qu'on avance. Qu'est-ce qu'on va vous montrer d'autre du coup? Fonctionnalité de graphique. Cette capacité, très simplement, vu que la passerelle renvoie des données sur cette fonction console, Cloud Watsense, donc on a cette capacité. Du coup, j'aurais dû laisser le même nom, hop, de créer un exemple de graphe. On peut sélectionner ici, hop, je prends mon capteur sur lequel il y a déjà de la donnée historisée. Je fais un filtre et je dis que je veux voir des données CO2 et de température. Voilà, je peux modifier les couleurs si j'ai envie. Hop, je peux modifier l'axe à gauche, je veux un cercle. Et la température, on va lui mettre une échelle sur l'axe à droite. Je veux un carré, je veux des courbes. Et voilà, vous avez configuré un petit graphique.
L'idée de ça, c'est pas forcément une supervision, hein, ça va pas aussi loin que ça. C'est juste d'instrumenter, de monitorer, de détecter, de diagnostiquer un petit peu ce qui se passe. Voilà, à l'installation, c'est assez pratique parce que vous avez quelque chose de très factuel et disponible tout de suite qui vous permet de visualiser si les données sont bien réelles entre ce que voit la passerelle Watsense et ce que vous remontez soit d'un capteur LoRaWAN avec afficheur. Ça, c'était quand? Non, mais c'était hier, pardon, c'est pas aujourd'hui. Soit sinon avec un régulateur, par exemple, ou un régulateur de chauffage ou autre, ou un circuit de chauffage. Donc, ça, c'est la fonction graphique, bien utile pour du diagnostic. Fonction données live également, on n'oublie pas de sauvegarder. Fonction données live où on peut visualiser aussi les données live. Donc, visiblement, je n'ai pas encore de données de mon capteur Adonis. Ça permet aussi de visualiser les données en live des différents capteurs qui sont connectés. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Du coup, l'extraction d'archives. Donc, cette capacité d'aller chercher des archives sur une plage de temps, dans un format X ou Y, un groupe, mois ou journée, peu importe, et d'aller chercher des propriétés en particulier. Je ne sais pas où est mon mail site. Ah, température. Envoyer l'archive, hop, par mail. Et ça y est, on va recevoir une archive bientôt sur mon adresse mail. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant? Calendrier, juste pour information, c'est cette capacité de gérer de la programmation horaire directement dans la console et dans la passerelle Watsense. J'avance parce que c'est pas l'objet de la présentation. Le schéma, pardon, j'en avais parlé du schéma. Hop, on crée des synoptiques, on peut en créer plusieurs, je dirais comme ça, si on veut. On va venir ici glisser-déposer ou venir importer un schéma. Donc je vais venir récupérer ici mon restaurant, le plan de mon restaurant, et derrière je vais pouvoir ajouter des propriétés. Donc visiblement j'ai un peu plus de données là-dessus. Je vais récupérer ma température, je vais récupérer mon taux d'humidité, l'illumination pour savoir si les stores sont ouverts. Et donc derrière je vais pouvoir voir ici, j'en sais rien, hop. Dans le salon, si c'est illuminé ou pas, le pourcentage d'humidité dans la cuisine et la température dans la salle de réunion, par exemple. Voilà, quand j'ajoute, j'ai cette capacité pareil de changer les couleurs, de fermer, ça se met à jour. Et derrière, j'ai cette capacité, je sauvegarde, d'en rajouter un deuxième. Et ainsi de suite. Donc c'est pareil, ça permet assez simplement et assez facilement de visualiser, diagnostiquer, de donner accès, je dirais, à vos clients, à certaines données qui sont assez visuelles, quoi. Donc là, c'est pareil, on va le refaire. Est-ce que je sais que j'ai de la donnée? Est-ce que j'ai pas de la donnée là-dessus? Ça serait bien. J'ai toujours pas de données, mais voilà, grosso modo. Arriver au froid, arriver au chaud, et ainsi de suite. Et donc, comme dans l'exemple de tout à l'heure, sur un déploiement réel, ce que montrait Romain, ce qu'on montrait dans les slides du PowerPoint, voilà ce que font certains PropTech ou Facility Manager, je dirais, pour donner ça accès à vos clients. Ça, et la dernière chose, c'est l'optimiseur de relance. Alors voilà, l'option est là. J'ai pas grand-chose à montrer, mis à part, on va sauvegarder toujours, on n'oublie pas de sauvegarder. Ici, on a, alors j'ai pas forcément de régulateur RVL qui soit réellement connecté derrière ma passerelle Watsense de démo. L'idée, c'est qu'on a en fait jour par jour, quand on se connecte ici, on a cette capacité de visualiser quelles sont les consignes conventionnelles, figées, périodiques qui sont proposées par le régulateur en place, en local, et quelle va être la consigne qui va être forcée par le plugin et par l'algorithme optimiseur de relance qui est dans la passerelle Watsense. Et la notion de confort, quand est-ce qu'elle va être atteinte et quel va être le delta de temps pour l'atteindre, quoi. Voilà, cette fonction optimiseur de relance va être visualisable et exploitable également sur cet onglet-là à distance. C'est tout du coup pour la partie démo. Voilà, on avait déjà fait une démo sur le précédent webinaire, pardon. Donc on vous le diffusera si vous avez besoin de plus d'informations sur d'autres fonctionnalités. Sinon, n'hésitez pas à nous solliciter. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ce partage-là. Hop. Et du coup, on est disponible, Romain et moi-même, pour répondre à certaines de vos questions. Donc il y en a déjà qui ont commencé.
Donc on va essayer de les prendre une par une dans l'ordre. Il y en a un petit peu dans le chat, il y en a un petit peu dans les questions. C'est assez classique. Donc on va prendre celle dans les questions. Donc la première question qui a été posée au tout début du webinaire, c'est où se trouve votre cœur de réseau? Je sous-entends LoRaWAN. Donc la réponse est en local. Les passerelles Watsense embarquent en local un LoRa Network Server, qu'on appelle aussi LNS. Donc un LoRa Network Server, c'est-à-dire un serveur de réseau LoRaWAN qui va permettre de tout gérer en local. Donc de pairer et de gérer le réseau privé LoRaWAN en local entre les capteurs et la passerelle Watsense. Peut-on ajouter une plus grande antenne à cette box? Donc, comme vous l'avez vu, par défaut, quand vous achetez une box, vous avez une antenne 4G et une antenne LoRaWAN qui est embarquée, parce que pour le faire fonctionner, on a quand même besoin des antennes. Donc, par défaut, on a des petites antennes qui sont fournies. On peut forcément, via un connecteur qu'on appelle SMA-MAL, on peut enlever cette antenne et en mettre une plus grosse. C'est notamment nous, d'ailleurs, ce qu'on propose chez RG2i et ce qu'on vend, c'est soit du câble faible perte pour rallonger la longueur de cette antenne-là, soit sinon des antennes beaucoup plus importantes et plus sensibles et plus puissantes pour améliorer, je dirais, la sensibilité de la couverture radio, améliorer la portée, aller chercher des objets beaucoup plus loin sur un site étendu, aller chercher des capteurs dans plein de bâtiments ou à l'extérieur en zone de propriété s'il y a des compteurs énergétiques. C'est plus que conseillé. L'avantage que ça a avec certaines de nos antennes, notamment outdoor, c'est de déployer l'antenne à l'extérieur du TGBT, à l'extérieur d'une armoire électrique dans laquelle est la passerelle Watsense. Et ça va avoir cet objet de mettre l'antenne LoRaWAN dans un environnement beaucoup plus ouvert et qui va permettre de couvrir beaucoup plus loin et de gérer un réseau LoRa privé beaucoup plus important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La distribution de la plateforme est-elle exclusive d'une société? Si oui, laquelle? Sinon, où peut-on acheter et faire poser une passerelle Watsense? Il n'y a pas d'exclusivité. Vous pouvez vous procurer les solutions Watsense auprès des RG2i. C'est-à-dire que la partie plateforme et box, vous pouvez les retrouver. De toute façon, c'est souvent un package qu'on propose à nos clients et qui va permettre vraiment de vous livrer une solution clé en main pour cette connectivité GTB et connectivité multiprotocole Watsense, quoi. Donc n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus et je reviens sur pareil une des présentations RG2i et Auricom que je faisais en amont. Voilà, le principe de mécano, vous pouvez prendre que la solution Watsense, vous pouvez prendre les capteurs avec la solution Watsense. Voilà, l'idée c'est de vous fournir soit des solutions clés en main de A à Z, du capteur au monitoring, ou juste cette solution de gateway passerelle LoRaWAN. Si on veut avoir du LoRaWAN et du Mbus wireless, il faut donc deux passerelles. Oui, donc Romain avait répondu sur cette question-là. Aujourd'hui, oui, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, on a un emplacement, on va dire, réseau radio sur les passerelles. Donc ça sous-entend qu'on peut gérer soit le LoRaWAN, soit le wireless Mbus 868, mais pas les deux. Ça va changer. On est en train de voir pour l'année prochaine de développer un nouveau design qui permettrait d'avoir les deux modems et donc d'avoir en même temps du LoRa et du wireless Mbus. D'accord. C'est d'autant plus intéressant que, comme je le disais pareil sur le wireless Mbus, le parc existant est très important. Donc ça permet d'aller chercher des vieux compteurs wireless Mbus déjà déployés et ça permet de moderniser un peu l'installation puisqu'aujourd'hui on déploie plus, ou entre nous on déploie plus de capteurs wireless Mbus 868 MHz. Tout le monde déploie plutôt du LoRaWAN. Donc ça permettrait, si le site a besoin et l'application du client a besoin d'évoluer vers de l'IoT et notamment vers le protocole LoRaWAN, de faire du rétrofit sur du wireless Mbus et du déployer des nouvelles solutions LoRaWAN, quoi. Donc c'est assez intéressant cette nouvelle fonctionnalité-là. Physiquement, la mémoire, c'est une carte SD. Non, on est sur une RAM, on est sur une mémoire RAM en interne dans la passerelle. Est-il possible, pardon, de disposer des fonctionnalités que vous présentez avec une passerelle Watsense positionnée en hub et reprise depuis un routeur 4G et sans abonnement dédié au Watsense? Alors, le hub, c'est la passerelle la passerelle locale, par défaut. C'est-à-dire que on s'est rendu compte qu'on a, on va dire, un connecteur, une passerelle, mais deux types d'applications. La box, c'est la passerelle qui est opérée. Donc, on va fournir toute la connectivité, le serveur, la carte SIM 4G et le forfait qui va avec. Et le hub est par défaut une passerelle locale qui va convertir les données en local, mais permet également de remonter des données sur un serveur. Dans ce cas, c'est à vous de gérer la connexion Internet et donc le protocole MQTT avec un broker que vous devez mettre de votre côté. L'idée, c'est de se dire, si vous voulez tout gérer tout seul, c'est possible. La configuration se fera quand même avec la console, mais par contre, les données remonteront uniquement
Donc, sur votre serveur ou en local. Ce ne sera pas MQTT si c'est sur votre serveur. Question suivante. On peut faire de la division et ou de la conversion. Oui, sur la console de configuration, quand on a l'onglet configuration, on a une petite fonction scaling qui permet de dire, je veux une donnée, j'ai par exemple 12 kilowatts, on peut multiplier ça par le coût du kilowattheure et on aura une donnée qui sera non pas en kilowatts, qui sera en euros. Comme ça, on peut avoir directement certaines fonctionnalités directement dans la console. D'accord, ok, une fonction de mise à l'échelle du coup des Exactement. Données. D'accord. Peut-on avoir des seuils d'alarme programmables sur nos compteurs? Du coup, voilà, c'est ce qu'on disait, ça va arriver. Pour l'instant, c'est pas disponible, mais c'est dans les tuyaux, c'est dans le pipe, donc il va falloir être un petit peu patient, mais c'est une fonctionnalité qui va bientôt arriver. Oui, c'est quasiment prêt, là, on est en phase de test et ça devrait être en production dans les semaines qui viennent. Ok, chouette. Qui paye l'ajout d'une nouvelle table d'échange modbus? Personne. Vous nous le dites, quel équipement vous voulez rajouter et on le rajoute pour vous gratuitement. Donc on va dire que c'est Watsense qui paye, parce que forcément il y a un employé de chez Watsense qui fait ce travail-là d'ingénierie et de développement pour, encore une fois comme on le disait avant, mettre tout ça dans une communauté, mettre ça en ressources pour qu'il n'y ait pas chacun dans son coin, qui fasse la même chose et que ce soit vraiment une communauté Watsense dans laquelle on va pouvoir venir piocher ce qu'on a besoin quand on rencontre un équipement X ou Y sur le terrain, quoi. Donc s'il vous manque quelque chose en filaire, Modbus, KNX, MBus et ainsi de suite, Modbus RS485 ou en LoRaWAN ou en Wireless MBus, et du coup on en fait la demande à Watsense. Et on l'ajoute pour vous. L'idée que ça sera rajouté donc pour vous dans la base de données, mais également pour tous les autres clients. Donc chaque semaine, notre base de données augmente avec des nouveaux équipements qui sont rajoutés. C'est fini pour les questions dans l'onglet questions. J'en ai vu passer, il me semble, dans le chat. J'en réponds à quelques-unes, ouais. Pour le traitement d'informations consolidées multisites, par exemple, proposez-vous la gestion d'une ontologie type iStack, tag des données. Pareil, pas sûr d'avoir compris la question. Je pense qu'on dépasse, à mon avis, les fonctionnalités de la solution Watsense. On arrive un petit peu plus sur une autre fonctionnalité qu'on a dans une passerelle IoT, un hyperviseur qu'on propose chez RG2i, justement, qui consiste à acquérir et à consolider les données de multisites et de gérer ça sur une plateforme, je dirais, globale, sur laquelle on va pouvoir, sur des tableaux de bord communs, mettre des informations multisites. Je ne sais pas si ce que vous entendez, Franck, par ontologie, mais moi c'est ce à quoi ça me fait penser. Voilà, n'hésitez pas à rebondir si c'est pas le cas. Il y a un aspect qui n'a pas été abordé. On autorise la possibilité de faire du edge computing. Donc, c'est un mot barbare anglais pour dire qu'on peut très bien mettre un petit programme en embarqué. Donc, c'est un script qui sera fait en Python, que vous pouvez programmer en Python et vous l'envoyer dans la box ou dans le hub. Ça permettra d'avoir un petit programme embarqué pour des fonctions booléennes classiques. C'est par exemple, vous voulez que votre ventilation qui est connectée avec la box démarre si la température est supérieure à 25 degrés pendant 10 minutes. Et dans ce cas, en lisant les données de température et en connectant notre ventilation, on va pouvoir faire des lignes de code en Python et proposer ainsi des petites fonctionnalités directement en embarqué. Exact. On l'a mentionné la première fois, ouais, on l'a oublié. Est-ce que vous gérez les downlinks sur le réseau LoRaWAN? Bien sûr. Du coup, le protocole LoRaWAN et le cœur de réseau, le LNS embarqué dans la passerelle Watsense, permet cette communication bidirectionnelle, donc les uplinks pour récupérer les informations qui sont envoyées par les capteurs, et également la partie downlink. La partie downlink va permettre deux choses, soit de reconfigurer son capteur. Il y a pas mal de capteurs qu'on a dans notre catalogue et qui ne bénéficient pas forcément d'une application fabricant pour les configurer. Donc on doit obligatoirement passer par du downlink pour reconfigurer une période d'échantillonnage, des seuils pour envoyer des trames sur événements, dépassement de seuils, ce genre de choses. Donc vu qu'il n'y a pas d'application fabricant, on est obligé de le faire en downlink et donc on peut le faire au travers de la passerelle Watsense. Et après, les downlinks via la passerelle Watsense servent également sur certains produits, notamment sur ce type de produit-là, qui est une vanne thermostatique LoRaWAN, de pouvoir renvoyer des consignes de température. Donc, on est sur une vanne thermostatique LoRaWAN qui permet d'être positionnée sur chacun des radiateurs du bâtiment,
L'intérêt, c'est que cet équipement va remonter des informations de température et d'humidité d'ambiance, mais va également pouvoir accueillir des consignes. Donc, soit en local, une consigne manuelle d'un locataire ou d'un propriétaire qui veut changer la consigne de chauffage dans son appartement, soit à distance, gérée par la GTB et la chaufferie, qui va envoyer individuellement pour chaque radiateur par étage. Si on est dans un internat et dans un collège, pendant les vacances scolaires, on va piloter tout ça pour éviter que le technicien il aille fermer individuellement tous les radiateurs. Ça va être envoyé via un downlink grâce à la passerelle Watsense qui va aller renvoyer une nouvelle consigne de chauffage, une nouvelle consigne pardon de température à chacune de ces vannes thermostatiques là. Donc ça permet d'optimiser les consommations énergétiques, ça permet de réduire les dépenses énergétiques sur un poste qui est le plus énergivore dans le bâtiment, qui est le chauffage. Et donc du coup, ça permet au travers de cette solution Watsense et grâce à ce protocole LoRaWAN en mode downlink, d'envoyer ça complètement en radio, en mode individuel ou en mode masse. Et ce qui est intéressant, c'est que la fonction downlink est intégrée du coup entre la passerelle Watsense et l'équipement, notamment là dans mon exemple, la vanne thermostatique. Et généralement, la consigne locale, elle peut venir d'un régulateur ou d'une GTB en local. Donc l'intérêt, c'est que vu qu'on va venir gérer une communication en mode bus TCP ou BACnet IP avec votre régulateur, avec votre GTB, la consigne forcément, quand il y a ces équipements-là en place, la consigne va venir en fait de la GTB. Elle va être écrite du coup dans la passerelle Watsense, donc en BACnet ou en mode bus TCP dans un registre d'écriture. Et derrière, la passerelle Watsense va pouvoir envoyer cette nouvelle consigne en provenance de la GTB et de l'automate. Donc, c'est plus qu'utile sur ce genre d'équipement-là lorsqu'il y a besoin d'aller écrire des valeurs et écrire des consignes. Votre appareil est utilisable seulement en présence d'une GTB ? Non, du coup. Je pense que Romain, tu peux apporter des précisions sur s'il y a de la GTB et s'il n'y a pas de GTB. C'est ça, en fait. Je reprends la question. C'était voilà. Dans le chat. Dans le chat, c'est ça, ouais, dans la GTB. Alors non, l'idée c'est déjà de toucher à rien. C'est-à-dire, on en va dans un bâtiment, la première question c'est, y a-t-il une GTB ou pas? Si une GTB, on peut communiquer avec elle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir connecter la GTB et remonter les données sur un serveur. On va simplement se connecter au bus primaire de la GTB. Ça sera généralement du BACnet, du Modbus ou du LON. Et ainsi, on va pouvoir lire les données sur un serveur. À l'inverse, comme vous avez vu, on va pouvoir appairer les équipements LoRa et les convertir en BACnet ou en Modbus TCP pour ainsi rendre ces données disponibles sur une GTB. S'il n'y a pas de GTB, ce n'est pas la peine d'en avoir une au préalable, on va arriver dans le bâtiment et on va juste appairer les équipements en filaire directement sur la box ou en radio avec donc, le protocole LoRaWAN ou le Wireless Ambus. On propose deux gros types de produits. Donc, on a donc la passerelle qui peut être une box ou un hub qui est donc multi-protocole et qui donc a besoin de la console de configuration pour être configurée. Et également, donc, à venir, très prochainement, ça sera donc la fonction mini-GTB qui, elle, va avoir la console, mais également d'autres fonctionnalités telles qu'on vient de voir avec la fonction synaptique, la fonction alarme et la fonction graph pour permettre une supervision extrêmement simple du bâtiment. Donc, si vous voulez une fonction mini-GTB, vous prenez toutes les fonctionnalités qui sont incluses dans la console. Si vous voulez la fonction que passerelle, vous pouvez avoir une box et un hub. Et dans ce cas, la console de configuration sera que pour la configuration. OK. Mais c'est important, ce qu'a dit au tout début, il faut positionner, il faut visualiser s'il y a déjà une GTB en place ou non, quoi. S'il y en a une, il n'y a pas besoin de fonctionnalité parce qu'elles sont déjà en local et la GTB en local prendra de toute façon toujours le pas sur les consignes de la Watsense. Donc ça n'a rien de faire des doublons. Donc on a une solution, on va dire, un peu dégradée qui permet de juste faire la fonction de passerelle de communication multi-protocole avec la GTB en place. Et sinon, sur des très petits bâtiments, ça peut être une nouvelle solution de ce type-là, quoi. Administrable à distance, visualisable à distance, configurable à distance, voilà. Ce qu'appelait à un moment donné Watsense, une GTB as a service, quoi. Mise à jour de la passerelle, donc la question a été posée, c'était pour un hub, donc je vous répondrai individuellement, Jean-Yves, sur cette question-là. Alors, c'est ça en fait, si c'est une box, les mises à jour sont faites de façon automatique, parce que la box est connectée tout le temps à Internet avec la 4G ou réseau LAN, tandis que le hub, vous avez bien compris que c'est une passerelle locale qui n'a pas besoin d'être connectée à Internet pour fonctionner. Donc si votre hub n'est pas connecté à Internet, on ne peut évidemment pas le mettre à jour.
Dans ce cas, pour mettre votre hub à jour, il faut juste retélécharger le nouveau software du hub et le connecter au port USB de votre ordinateur portable. Comme ça, on peut être en contact avec vous pour vous assister dans cette opération. Avez-vous différents niveaux d'utilisateurs, clients, utilisateurs et compagnie? Oui, il y en a. Il en existe même plus que ça. Il y a beaucoup de profils différents qui existent pour vraiment s'adapter à chacun de vos clients. Et à chaque restriction, en fait, vous pouvez gérer vos clients. Vous pouvez avoir évidemment. Donc, vous avez un compte pour se connecter à la console. Vous pouvez avoir évidemment plusieurs box par compte. Et pour chaque box, vous pouvez donc avoir différents niveaux de restriction. Où il y a une restriction qui est en lecture seule, une restriction qui est en mode intégrateur, en mode site manager ou en droit personnalisé. Donc ça, c'est entièrement vous qui gérez les restrictions pour chaque personne qui va avoir accès à ce compte et à cette box. Des capteurs MBUS. Oui, je sais pas si t'as compatible. Ouais. Ah oui, elle est compatible, donc il y a le... il y a le protocole MBUS qui est géré. Si on le voit, il est ici entre les deux antennes. Donc on le voit écrit MBUS, donc avec ce bornier dédié. Et donc il y a certains équipements qui sont déjà décodés et compatibles avec la solution. Ils sont nativement MBUS. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce qu'on pouvait renommer? J'avais vu les variables de tous les équipements. Je sais plus où je l'avais vu, je l'ai raté, je crois. Ouais, le nommage de variable est-il disponible sur tout type de device? Pour moi, oui. Oui. Oui, vous pouvez renommer le nom, la description, donc, et également le slug name. Comme ça, quand vous intégrez ça à un serveur ou une GTB, il y a le nom qui est déjà renseigné, ce qui permet de faciliter l'intégration. Quelle est l'échelle de prix de la passerelle? Ben, du coup, voilà, on pourra en discuter si vous le voulez ultérieurement et individuellement. Donc, ben, n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. Avant d'installer une box, avez-vous une solution pour vérifier la réception GSM? Pas vraiment. Il n'y a pas de solution miracle. Si, il y en a une. Un téléphone portable. Téléphone portable, exactement. Comme je le disais, vu que sur la box, il y a une carte SIM multi-opérateur. L'avantage que ça a, et c'était d'ailleurs pas toujours évident avec le téléphone portable, c'est-à-dire qu'avec un téléphone portable, généralement, on n'a qu'une seule carte SIM et donc du coup un seul opérateur. Donc on pouvait, vérifier un réseau. S'il n'était pas disponible, on ne savait pas trop si les autres l'étaient. S'il était disponible, mais que le client décidait de mettre à dispo sa propre carte SIM qui n'était pas de ce même opérateur, c'est pareil, on croisait un petit peu les doigts. Là, avec la solution multi-opérateur, donc ce qu'on appelle MVNO, qui est proposée par WhiteSense, si ça capte avec le téléphone, vous êtes sûr que la passerelle captera, parce que vous avez de toute façon cette passerelle qui a cette capacité d'aller chercher le meilleur de tous les réseaux qui sont disponibles. Au point de connexion. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va détecter le meilleur réseau, que ce soit Bouygues, SFR, Orange, au point de connexion. Donc pour un projet similaire, on peut très bien avoir deux opérateurs différents. Ça, vous n'en rendez même pas compte. Ouais. Donc c'est voilà, vous affranchissez, vous posez plus forcément la question. Le seul problème entre guillemets, c'est si on est au second sous-sol parce qu'on est en sous-station, ou si le bâtiment fait cage de Faraday, on va simplement dévisser l'antenne GSM qui est donc là, et on peut mettre une antenne déportée. C'est pareil pour le LoRaWAN, on peut donc déporter l'antenne avec une antenne, un câble de 5 ou 10 mètres avec un gain important, ce qui permet d'avoir l'antenne en extérieur et donc avoir un meilleur réseau. Ouais, on en a, j'en ai derrière mon épaule. Alors ça fait partie des antennes les plus grosses. C'est des antennes directionnelles avec beaucoup de liens et beaucoup de câbles. Voilà, chez RG2i, on fait du câble de 50 cm jusqu'à 20 mètres avec différentes sections pour atténuer les pertes de gains. Et on fait également des antennes indoor, outdoor, magnétiques, support équerre, mât, anti-vandal avec un écrou anti-infraction et également du coup omnidirectionnel, directionnel. Ça, je l'ai déjà dit. Une question sur les données. Combien de temps sont sauvegardées les données sur le serveur? Les données sont sauvegardées pendant tout le temps que vous êtes avec WhatsApp. On a un accès direct des données sur 30 jours. Donc, ça, c'est la mémoire directe. Et par contre, après, les données sont sauvegardées sur le serveur durant toute la durée de l'abonnement. Serait-il possible d'avoir une adresse mail pour avoir des informations complémentaires? C'est déjà fait. Je sais pas si tu vois. Ouais, exact. Sinon, allez sur la présentation que tu peux envoyer également. Ouais,
Ouais, je renverrai la présentation, effectivement. Ouais. Il va y avoir un replay quand le webinaire sera terminé. Vous allez recevoir un mail automatique, déjà d'une pour vous remercier. Et puis pour visualiser ce replay, vous allez pouvoir le partager. S'il y avait des gens qui étaient intéressés chez vous dans l'entreprise mais qui n'étaient pas présents, bah, n'hésitez pas à leur partager le replay. Et du coup, si le replay est trop long et que vous voulez voir des choses en particulier, des infos en particulier, on va vous partager également le support présentation en guise de mémo. Une question sur est-ce qu'on peut communiquer avec les capteurs en filaire ou uniquement en radio? Les deux, en fait, on peut communiquer simultanément du LoRaWAN, du MBus, du Modbus, du BACnet. C'est en fait ça toute l'idée d'être totalement interopérable et être une passerelle avec multi-protocoles. C'est donc qu'on peut connecter en simultané des capteurs en filaire et en radio. Combien de temps? Donc ça, on l'a vu. Donc Romain a mis également dans le chat le petit lien qui permet de vérifier la compatibilité avec les équipements filaires et sans fil. S'il existe un appareil, oui, il existe des appareils qui permettent de vérifier un réseau GSM sur site. Après, bah, c'est l'achat d'un matériel supplémentaire. Généralement, il faut une carte SIM de mémoire pour vérifier ce type de réseau-là. Et je ne sais pas s'il ne faut pas même une autorisation. Mais bon, donc du coup, avec le téléphone portable multi-opérateur et la solution Watsense, comme on le disait, ça sert pas à grand-chose d'acheter un produit dédié, je pense. Peut-on stocker les données sur un cloud privé autre que sur vos serveurs? Oui, Donc oui, c'est possible. oui. Comme le disait Romain, il y a le protocole MQTT qui permet d'extraire de la passerelle ou du service Watsense, d'extraire ça sur une plateforme tierce. Et il y a également la notion d'API REST. Donc cette console et ce service SaaS Watsense est disponible, met à disposition, pardon, une API RESTful qui va permettre sur du GET HTTPS ou du PUT HTTPS bah, de récupérer ça sur votre plateforme tierce. Avez-vous des SIM spécifiques pour déporter L'antenne de l'antenne à 20 plus de 20 mètres? mètres. Ouais, on l'a assez rarement. Il faut mettre la plus grosse des antennes. On recommande pas, Le honnêtement. On recommande pas parce que le gain qu'on a d'avoir une antenne de plus de 20 mètres, on le perd en fait dans la distance du câble. Donc on se dit que 20 mètres avec un gros gain, ça serait le maximum, sachant que la norme LoRaWAN, évidemment, il y a des certains standards, une certaine norme. Donc on peut pas non plus pousser trop haut, c'est pas autorisé. Donc 20 mètres, c'est par expérience la plus grosse antenne qu'on peut avoir en tant Ouais, nous qu'antenne déportée. c'est ce qu'on fait aussi. Ouais. Et généralement, les antennes n'ont pas 20 mètres nativement en plus, donc il y a une perte de gain supplémentaire. C'est-à-dire que la plupart des antennes qui sont disponibles, nous on le voit sur les plusieurs fabricants qu'on couvre et sur les dizaines de références qu'on propose, généralement on a 3, 5 ou 10 mètres nativement sur l'antenne, ce qui veut dire que si on veut plus, il faut rajouter un câble supplémentaire. Et donc dans le connecteur aussi, il va y avoir une perte de gain. Donc raison de plus pour éviter d'aller au-delà de 20 mètres, quoi. Donc après, il y a d'autres solutions. 10 mètres suffit largement en général pour mettre une antenne à l'extérieur. Après, il y a une autre solution, c'est de déporter l'alimentation et de mettre la gateway à un autre endroit, quoi. Si elle est en chaufferie et que 10, 20 mètres, c'est pas suffisant, il faut peut-être mettre une armoire élec à un autre endroit, quoi. Sans parler chiffres, la solution Watson, ça a un prix d'achat plus un abonnement. Oui. Non, oui, mais pas que. Non, donc vous avez bien compris, on a deux types d'applications. Donc la box qui est donc la passerelle qui est opérée. Comme elle est opérée, c'est-à-dire qu'on s'occupe de tout, encore une fois, du serveur, de la connectivité, de la carte SIM 4G et du forfait qui va avec pour remonter les données. Donc dans ce cas, le business model est en effet un coût d'achat de la passerelle et d'un abonnement. Pour le hub, donc la passerelle locale, c'est un peu différent parce que la passerelle est également multi-protocole. Le hardware est exactement le même, le software étant différent. Et comme c'est à vous ou au client de s'occuper de la connexion Internet et du protocole MQTT, dans ce cas, le business model est uniquement un coût d'achat de la passerelle et il n'y a pas d'abonnement. Voilà, on a fait le tour des questions. Attendez, en mettant une autre antenne, peut-on récupérer des communications de capteurs LoRaWAN déjà installées, déjà récupérées sur une passerelle d'une autre marque? Non, c'est pas forcément possible ça. On est généralement en LoRaWAN. Alors après, ça dépend des capteurs, ça dépend des applications, des configurations, ce genre de choses. Généralement, je dirais le capteur va être provisionné sur une passerelle. Et lorsqu'il va être provisionné, c'est aussi un gage de sécurité, c'est que il va pas forcément pouvoir communiquer avec une autre passerelle, quoi.
Surtout si c'est pas la vôtre, il y a un intérêt, je dirais, d'éviter ça, quoi. Ça se fait au niveau de la configuration. Quand on va appairer le capteur, on va donc rentrer le dev EUI, le app EUI et la clé d'application, comme tu as fait un petit peu avant, Olivier. Et donc ça, c'est le numéro propre à l'équipement. C'est un numéro de série, comme tu dis, une carte d'identité. Et en appairant ça à une passerelle, ça ne va pas être possible d'appairer ça à une autre passerelle. Simplement, le capteur ne l'autorise pas. Voilà, on a fait le tour. Il n'y a plus d'autres questions. Merci à tous. Alors, j'avais oublié un sondage. Donc, pour les derniers qui sont disponibles, bah, éventuellement, vous allez pouvoir répondre. La question, en fait, est de savoir si vous avez détecté de l'intérêt dans cette solution-là. Et si vous vous imaginez déployer cette solution à la place d'une autre que vous connaissiez déjà, ou parce que bah elle répond à une vraie problématique et vous ne saviez pas comment la gérer aujourd'hui, voilà. Donc l'idée est de savoir si vous êtes prêt et disposé à déployer ce type de solution là et à quelle échéance. Voilà. Donc on vous laisse répondre tranquillement. On en profite du coup pour remercier les gens qui sont en train de partir. Donc du coup, on a dépassé, alors on n'a pas forcément dépassé la présentation qui a duré, j'ai vu, je crois, 47 minutes, 45 minutes. Donc on est plutôt resté dans les clous. Donc c'était intéressant de voir qu'il bah, y avait pas mal de personnes encore, plus d'une cinquantaine de personnes qui étaient présentes après la présentation pour bah, voir les questions et les réponses. Donc il y a quand même pas mal d'intérêt. Merci à vous pour ça. On reste à votre disposition si vous avez besoin d'échanger individuellement, de revenir sur certains sujets, certaines fonctionnalités, refaire une démo avec vous ou d'autres confrères chez vous en interne. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions d'ordre technique et commercial, n'hésitez pas à nous solliciter également RG2I pour ça. Et puis voilà, et puis ben on vous dit à bientôt du coup. Ça, on vous enverra un replay de cette présentation ainsi que la présentation je pense en PDF, comme ça vous aurez, et on a donc notre contact qui est en première page avec le numéro de téléphone et des adresses email. Oui. Voilà. Merci à tous. Merci à toi, Romain. Merci beaucoup. Merci, Olivier. À bientôt. Bonne fin de journée.